السلام عليكم. الآن جئتكم بوصفة أو بكيك. جئتكم بكيك من الفواكه، سنمزجه بالفواكه. وفاكهة الفصل هي التفاح، كما ترون التفاح. هذا هو فصل التفاح. سي لا سيزون دي بوم. alors on va faire un gâteau aux pommes aujourd'hui. حبيباتي سيداتي، لا داعي لكتابة أو ل pour que vous marquez les tout, c'est très très facile et je vais vous montrer qu'avec la façon ancienne. Allez, je vais prendre deux habatayn mina atoufah, deux pommes. On va prendre en moyenne comme ça, pas très gros, pas trop petit, voilà. Et on va les éplucher et les couper en petits. Awalan, les éplucher, ça nuzilo al-qishra, hakada. Je vais essayer d'être plus rapide. Voilà. Hatta la utila alaykum la vidéo. Ça ohawilo an asra. Voilà. Bada tandif at-tufah, sanuzilo al-qishra. في وقتنا الحالي ومع الأحداث التي نمر بها دائما، الفواكه والخضر بعد أن ندخل نقتنيها من السوق، بدخولنا للمنزل لابد من تعقيمها، تعقيمها بخل والماء، الخل والماء un petit chiffon avec du vinaigre et de l'eau et on passe sur le fruit et les légumes bien sûr. Alors, je vais enlever le fond comme ça. Le fond. Voilà, comme ça. On enlève. Une baquille chez ça nous dit le hobby à sikin. كذلك الأخرى سنزيل منها لا زال شيء هنا. الآن سأقطع تفاحتين إلى قطيعات صغيرة. Je coupe mes pommes en petits dés comme ça. Comme ça, on va faire vite. القطيعات تكون متساوية أو غير متساوية هذا لا يهم، لأنها ستدوب وستتحلل بالنار وسط الكيك. Les petits morceaux, on n'a pas besoin de les mettre pareil. Le principe qu'ils soient des petits morceaux parce qu'ils vont être cuits et on va sentir que le goût. Et parfois les petits petits morceaux, mais ça fond dans le gâteau. Alors, je mets tout dans une petite saladière, comme ça. Il aime sa amoro, il a la grande saladière. Et je mets les ingrédients. On a besoin de 3 œufs, comme vous voyez, 3 œufs,
de levure chimique. Moi, je vais utiliser d'une et demie parce qu'il est à 11 grammes. 11 grammes et deux, une seule et demie, ça fait 16, presque, c'est bon. Vanille, un sachet de vanille. Alors, khamirat halawiyat, itnan, ou nisf, 16 grammes. Sucre vanille, sucre vanilla, telat, baidat, et du sucre, le sucre semoule, sucre sanida. À la barakatilla, ou à kasmina halib, 120 millilitres, mi'a ou aishruna, tqriban, mina al halib, mi'a ou aishruna millilitres. Le miqyas, ou alors, pour peser, moi, c'est la grande cuillère comme on faisait autrefois. Toujours, on a fait le gâteau aux pommes à la grande cuillère. Alors, on a besoin aussi de farine. Alors, la farine, ça fait 9 cuillères. Il faut toujours se souvenir combien de cuillères. Voilà. Voilà, braquette, on met à l'oula. Tania. Telita. Arabia. الخامسة السادسة الملعقة السابعة الثامنة سباسي بو فويي بيان لا فوالا ثمان ملاعق وها هي الملعقة التاسعة تسع ملاعق سكر 9 كويير دو فارين الوغ سكر 5 5 cuillères de sucre semoule. 5. La première. La deuxième. La troisième. La quatrième. Et la cinquième. 5 ملاعق من سكر حبيبات أو سكر سنيدة. سنضيف ثلاث ملاعق من زيت طبيعية زيت نباتية ثلاث ملاعق ثلاث ملاعق فقط والآن مع الطحين سأضيف للوفير je vais rajouter le levure la vanille et levure chimique أضيف خمارة الحلوى خمارة الفانيلا وكذلك خمارة كيماوية خمارة كيماوية ونصف لأن عندي 11 غرام سيترو je vais mettre la moitié voilà que la moitié سأمزج هذا وأضعه جانبا سأمزج النواشف وأخذ البيض الآن سأخذ البيض وأفرق الأصفر عن الأبيض je dois séparer le jaune alors là je vais mettre le blanc Et là, le jaune. Voilà, hop. Et là, le jaune. Et on va mettre ça dans le silo à l'étain. Ou à la commo B. تقريب البيض je vais travailler le blanc il est là comme vous voyez رأيت شيئا سوف
اعمل على ازالتي يعني بيتيت ان بوين كي ما ديرونج لا جو دوا لونلوفي. هوب فوالا جي انلوفي سي بون. ساعمل رشه من الملح حتى يطلع تطلع رغوه البيض. جيمي ان بانسي دو سيل كوم سا جو Je monte mon blanc en neige. Bon, pour le blanc, là je vais monter. Je vais travailler le jaune aussi. ثلاث بيضات. On a séparé le blanc et on a séparé le blanc bien sûr et le jaune. فرقنا بين الابيض والاصفر. بياض البيض ضربناه وحده والاصفر وحده. Et là on va tout mélanger. الابيض والاصفر. C'est bon, moi je préfère la cuillère que le fouet parce que là c'est un peu épais et on sait jamais si la pâte est très lourde, on rajoute une ou deux cuillères de lait, pas de l'eau, pas autre chose. Voilà, on la travaille comme ça. On peut le travailler avec le batteur, mais je préfère la main pour voir la texture de la pâte. Voilà, ندلكو او نحركها جيدا جيدا بملعقة. Je rajoute alors. Une cuillère, à peu près deux cuillères du lait. Voilà. Je vais enlever la cuillère et je mets ça. Voilà, pour mélanger bien, bien, bien. Voilà, je vais continuer avec ça. Et vous pouvez continuer avec la main, pas de problème.
avec la cuillère, ça se mélange aussi très très bien. Voilà, je vais arrêter et je vais mettre mes pommes. Voilà, les pommes, un petit dé, les deux pommes qu'on a épluchées et coupées tout à l'heure. Voilà. Et c'est la dernière étape. C'est pas difficile, ça prend pas beaucoup de temps, c'est vite fait. Une ou deux minutes de préparation et 20 à 25 de cuisson. 25 تقريبا من او 24 دقيقه لطهي الكيك ويتطلب دقيقتين او بالاحرى 3 دقائق لإزالة قشرة التفاح وتقطيعها ثم خليط ثم نمزج الخليط كله. Je vais chercher la moule ou le moule que j'ai beurré déjà et après dans le four. Voilà, le moule est déjà prêt. Alors, vous voyez la texture de... Avec 9 cuillères de farine, c'est bon, hein? Même le lait, j'ai mis que 2 cuillères, 2 grandes cuillères, pas plus. D'accord? Et ça va être un très bon gâteau et ça va être réussi. Là, je vais vous donner un conseil très, 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 très cher et très précieux. Très précieux. Le conseil, c'est quoi? C'est que le moule doit être à un endroit frais. Il ne faut pas le laisser dans la cuisine. Moule pour gâteau ou pour madeleine ou pour n'importe quel moule, il faut qu'il soit dans un endroit frais. Hein? Frais, pas trop chaud. Le moule ne doit pas être chaud. Dans un endroit frais. Après, je le beurre, je mets vite fait la farine et je le mets. Je mets mon gâteau à cuire. Et là, vous savez, si le moule est frais, avec la température de 180 degrés de four, alors là, le gâteau, il gonfle. Malgré lui, elle va gonfler bien, bien, bien. Annasi halati. Sawatekoum yaha. هذا في هذه الحصة هي إناء الذي سنعمل فيه الكيك. يجب أن يكون في مكان بارد, احتفظوا به في مكان بارد. لماذا؟ لأن المول أو الإناء, إناء الكيك سيكون باردا ومع حرارة الفرن 180-180 درجة مع الحرارة عالية سيتفاعل وسيخمر وسيضعف الحجم وبهذا ستشكرونني. Je vais le mettre dans le four et après on va se retrouver quand il est prêt. Voilà, il est déjà chaud le four. Le four à la degré 180. Là, si vous voyez, je sais pas si vous voyez. Hop. Voilà, là, 180. Le four à la degré 180, 180 degrés. Et voilà, et le haut et le bas, hein? Vous voyez, le haut et le bas. Hop, c'est le haut et le bas là. Silence.
Voilà, et on va mettre 30, à peu près 30, à peu près 30 minutes, mais il faut le regarder, mais il faut pas ouvrir, comme ça gonfle, il faut pas ouvrir le four, mais de temps en temps regarder par la vitre juste. Quand il est bien doré, on met le couteau et si le couteau ne sort pas la pâte, c'est bon, il est cuit. Si on sort le couteau et il y a de la pâte dessus ou sur la pointe du couteau, ça veut dire qu'il n'est pas cuit. Et parfois, on tombe sur un morceau de pomme et ça sort la pomme. Il faut différencier la pomme et la pâte. Voilà, c'est le secret aussi. Et quand il est doré, normalement, il est bien cuit. Allez, je vous retrouve tout à l'heure quand il est bien cuit. C'est un très bon dessert. الكيك ديالي ها هو طاب كيف ما شفتو اخذ اللون الذهبي. Mon gâteau est bien cuit. On va essayer avec le couteau. Hop. Regardez. Il n'y a rien. Il n'y a pas de pâte. C'est bon. Hein? Il n'y a pas de pâte. Ça veut dire qu'il est bien cuit. On le four là. Et on va le laisser se refroidir. Et après, je vous retrouve dans quelques minutes. Nous allons mettre le four. نتركه ليبرد وحين ذاك سنلتقي فيما بعد pour voir l'étape finale. Voilà, il faut le laisser refroidir bien 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 pour le démolir du moule et après je vous montre comment c'est avant dégustation. بالتفاحة هي واجدة. Gâteau aux pommes, notre gâteau aux pommes est prêt. Il est très simple et pas trop gras, rien du tout. C'est naturel, c'est fait maison et très bon. Je vais couper un petit morceau pour que vous voyez bien. Qui compte tout faire? La dida ou ara et a ou bi. Makadir jid baseta. Takounou hakada. Voilà, je prends une petite assiette. Voilà, on peut le manger comme ça. Il y a les morceaux de pommes, mais ils sont déjà cuits. Voilà, vous voyez, c'est bon, c'est magnifique. Et bien, dégustez et essayez-la. Essayez-le, le gâteau, bien sûr. Très bon appétit. Du temps. Bon appétit et à bientôt.